Bonjour, je vous présente tout de suite ma commande en cours pour le mois d'octobre 2017 sur AliExpress. J'ai trouvé que des tueries. À de suite. J'ai décidé dans ma chambre de créer un petit espace beauté pour me maquiller le matin avec ma coiffeuse. Et pour me maquiller très tôt le matin, j'ai décidé d'acheter ce miroir LED qui apparemment donne un effet lumière de jour pour éviter de mettre trop de maquillage de beau matin, parce qu'après je le regrette pour le blush, pour le fond de teint, même pour les yeux. Du coup, il y a pas mal de jolis avis sur ce miroir qui ne prend pas trop de place parce que je crois qu'il fait une vingtaine de centimètres. Il est à pile, me semble-t-il. Donc, et il est rotatif, donc on peut le mettre comme on veut. Il est blanc, ben écoutez, je vous le montrerai quand je le recevrai. En parlant de piles, il me fallait des petites piles pour certaines montres que j'avais dans mes tiroirs et que je compte remettre, voilà, pour le prix. Je n'ai pas trop pris de risque. Grâce à un Snapchat de Sarah Messa, de la chaîne Sarah Messa, où elle a présenté ce produit hier pour moi, donc j'ai décidé de l'acheter. C'est une bonne vendeuse. Apparemment, il y a deux embouts, un embout feutre eyeliner, l'autre côté c'est tampon pour la finalité du trait eyeliner version chat. Là, vous savez, la petite virgule qu'on met au coin de l'œil. Voilà, donc du coup j'ai décidé de tester pour 1,30€. Franchement, le test, même si c'est pas convaincant, j'aurai toujours son utilité. Elle en était super contente car apparemment il est aussi waterproof. Donc ça peut tenir toute la journée pour le boulot. Pour moi, ça me conviendrait totalement. Dernièrement, j'ai trié toute ma collection de colliers, ceux que je ne mettais plus, ceux que je ne voulais plus mettre. Et du coup, il me manquait un peu de belles pièces. Je suis tombée sur celui-ci au hasard, donc j'ai dit ça y est, bah, écoute. Recommence. Donc au fur et à mesure, à chaque commande, j'en commanderai un nouveau. Voilà, là c'est un grand classique, toutes les youtubeuses l'ont plus ou moins présenté, mais il m'a plu, donc c'était l'occasion. Voilà, ça y est, je me suis enfin décidée d'acheter du vernis semi-permanent sur AliExpress parce qu'il y a eu des bons échos. Et puis toutefois, j'ai ma base qui reste la base de chez Guerin, donc je me suis lancée dans cette aventure, grosse aventure. Vous voyez, je prends vachement de risques dans ma vie, je sors de ma zone de confort. Et j'ai opté pour celui-ci qui est pailleté, par exemple, dans les tons violine. Apparemment, il est pailleté laser. Voilà, je vais vous en présenter quelques-uns. Je crois que dans ma commande de ce mois-ci, il y en a une quinzaine. Celui qui va suivre est dans les tons rosé pailleté. Je vous laisse regarder. De toute façon, c'est la gamme Sugar et il y en a d'autres dans cette vidéo. Alors pour cet objet à 72 centimes, c'est en fait un conducteur de fil pour le câble des téléphones. En fait, vous le passez dans une des rayures, on va dire, des rainures. Et en fait, ça, comme c'est en silicone, le fil reste et ne traîne pas. Et du coup, moi, ça va me solutionner et dans la voiture et dans la chambre quand je mets en charge. Parce qu'il ne fait que tomber, vous savez, ça glisse. Et du coup, c'est pénible. Voilà, c'est pas très cher. Dans une autre marque de vernis semi-permanent, c'est NDSE, la marque. Voici ce pailleté doré. Mais franchement, il va être une tuerie. Dans la marque encore Sugar, voici ce corail, pareil, magnifique. Ensuite, nous passons à la marque Bon Pretty. Et regardez celui-ci. En fait, je l'ai pris parce qu'il est opale. Et je pense que pour appliquer avec une French, j'allais dire, mon accent anglais du sud, je pense que ça peut faire une belle finition, bien, bien, bien jolie. Ensuite, j'ai aussi commandé, alors dans cette gamme-là, j'en ai pris une douzaine, la gamme Elite 99. Donc dans ma commande, il y a des pailletés, il y a des couleurs telles que lilas, rose baby, pink, rouge, bleu, il me semble lavande, gris. Enfin, une belle gamme.
Voilà les copines, je pense que je vous ai tout montré. La dernière fois, pardon, dans mon dernier haul, j'ai oublié de vous montrer les papillotes pour la dépose du vernis. Il me semble que j'ai oublié 2-3 articles. Je veillerai à les rajouter dans le prochain haul. J'espère que toutes mes trouvailles vont vous plaire. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo précommande AliExpress. Voici ma nouvelle mise en page pour ma chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous dans quelques temps, dès que j'aurai reçu tous les produits et présenterai mon haul. Bisous !